Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, je suis toujours dans le désert Gerudo, je suis ici où il y a ma petite balise bleue, il y a un immense fossile là, et donc il y a un sanctuaire juste ici. Il y a aussi un grand dôme, un grand périmètre je trouve pas mes mots, de sable, un banc de sable en fait, une tempête de sable exactement, dans le désert, et donc quand vous pénétrez dedans, il n'y a plus de radar. Donc vous allez toujours tout droit, vous mettez comme moi, vous mettez une balise sur la carcasse ici, puis vous allez toujours tout droit. Et puis ça, vous tombez dessus après, tranquille. Donc là, je suis toujours dans cette brume, et je viens de sortir tranquillou. Allez, on va aller voir ce qu'il en... Allez, regardez, il y a une fée là. Avec des petites fées. Je vais aller chercher, petite fée, j'en ai plus, je crois. On va y aller doucement. C'est bien les fées, hein. Quand vous avez plus rien et que vous êtes en galère, les fées, c'est cool. Bon, il y a la cuisine aussi qui est bien, faut cuisiner les loulous. Parce que faire des plats, c'est peut-être un peu long, mais ça vaut le coup. Et la bonne astuce aussi, c'est de faire les plats quand juste au moment où c'est la lune de sang. Parce que ça... Comment dire? Ça fait que des plats parfaits qui redonnent un peu plus. Voilà. Et j'en avais une quatrième. Si je ne suis point fou. J'étais fou, alors. Elle n'y est plus. Allez, elle est là. Ça devait être elle. Elle avance un peu. Voilà. J'ai pris l'effet clochette, c'est bon. Ok, bon, je vais reprendre un peu de vie parce que je sais pas ce qui nous attend dans l'antre du sanctuaire. Oh, bah vous avez dit, je vous ai dit de faire des plats, mais alors moi, c'est pas tip top, hein. Allez, on va manger ça. Ça, c'est plein de cœur. Alors, ah bon, on a déjà vu le sanctuaire, j'étais tellement occupé que je sais même plus de comment il s'appelle. On verra ça en descendant, c'est pas grave. Voilà, alors, conduire l'électricité, sanctuaire de Awakei. Boire ou conduire, il faut choisir. Non, c'est pas ça le nom du sanctuaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors là, on a l'électricité, on a des cubes. Bon, c'est bon ça, j'ai pas trop réfléchi, en fait, j'ai été directement. Ça semble assez logique. Du moins, enfin, pour moi, je trouve ça assez logique. Système de rouage avec de l'électricité, il n'y a pas de problème. Oula, je rentre dans le mur, ça c'est un problème. Ok. Oh bah tiens. Viens là toi. Oula, il y a un comité d'accueil en haut, j'avais pas vu. Coucou. C'était rigolo, arrêtez, c'était rigolo. Un cœur antique. Ah ça, ça sert. Merci. Merci bien monsieur. Voilà, on va être en embêté comme ça. Alors, une boule, et le truc est là-bas, il n'y a rien d'autre, non. Il y a d'autres copinous là-bas. Tiens, et j'ai l'air d'avoir un dôme là-bas. Non, un petit peu plus haut. Ouais, touché. Alors, ah, et ben bravo, ils ont fait des nœuds. Il faut emmener ça là. Voilà. Ah, ça active la planche du Zarnou. La petite plateforme. Oula, c'est le bordel. On va éviter de se faire écraser. Voilà. Bon. Oula, n'importe quoi. J'étais en train de regarder en face. J'ai fait n'importe quoi. Je suis tombé. Oui, parce que c'était tous ces petits trucs qui m'intriguaient. Donc je suis sûr que vaut mieux éviter que l'orbe ne touche. On va voir. Ah là, ça fait une belle éjection quand même. Donc comme vous avez vu, tout le long du chemin, il y en a pas mal. Donc ça doit tous, ils doivent tous faire quelque chose. Alors on va regarder. Hein. Celui-là, ça fait quoi? Bim! Bim! Et oui, c'est de piéger. Cet endroit est mité. Parce que c'est la figure.
Et là-haut. Ah, par contre, là-haut, c'est cool, ça ouvre un chemin. Les coffres. Les coffres, les coffres. Bon, il y en a deux pour l'instant, des coffres dans ce sanctuaire. Un rubis doré, 300 rubis, ça c'est cool, c'est un peu la dèche en plus. Il me faut des rubis. Voilà, attends, je vais récupérer mon orbe. Voilà. Puis on va la mettre là. Puis on va la mettre là. Ah, et il manque un petit rouage. Allez. Il nous le faut. Ah, mais il est derrière, avec un coffre. Ah oui, je me souviens de ça. Faut déplacer ça et aligner tous les trucs là. C'est tout con déjà. Ah si, ça y est. Ah si, ça y est. Ah si, ça y est. Voilà. Est-ce que là, regardez, il y a le premier et le dernier qui sont alignés. En fait, là, vous figez ici. Ça. Vous revenez en arrière, donc ça reste figé. Vous déplacez ça, comme ça, et normalement là c'est bon. Et bon souvenir! Ah là 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 là. Pourtant ça fait un petit moment hein, que j'ai fait la partie, mais ça va, j'ai des bons restes. Bon, c'est en rentrant dans les sanctuaires, parce que les sanctuaires ne se ressemblent pas. Sont quand même à chaque fois uniques avec comment dire, des petits moments de réflexion et d'énigmes comme ça assez propres à chacun, donc on s'en souvient quand même en refaisant les parties plusieurs fois ou même qu'une seule fois, puisque là j'ai fait ma partie à moi et puis je la fais avec vous sur le compte de ma chaîne, donc c'est pour ça. Il n'y a rien derrière, ça reste bien en mémoire. Bon, ça va, il était simple. On va pas trop chercher. Triompher de l'épreuve. Emblème du triomphe. 18, bien, bravo, merci moi, bravo Link. Mon devoir est désormais accompli. À moi aussi, mon devoir est désormais accompli. Donc voilà, pour trouver ce petit sanctuaire, c'est assez simple. Comme je vous dis, il y a beaucoup, faut pas stresser. Vous mettez, comme moi j'ai fait sur la map, une petite balise bleue. Vous allez toujours tout droit, même s'il y a le petit cercle de tempête de sable, vous passez à travers, vous allez toujours tout droit, vous suivez votre ligne, et puis vous y arrivez, il est sorti de terre déjà, il n'y a pas de problème pour le trouver. Vous avez vu, il y a... Oh là, je caille. Je change de vêtements avant de finir ma conversation avec vous. Ce serait bête de perdre des points de vie quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit vêtement chaud. Ça, ça, et j'aime bien avoir ça pour avoir les points de vie d'ennemi. Voilà, et puis comme je vous disais, il y a un petit endroit pour les fées là pour faire évoluer ses vêtements, donc vous pourrez en plus aller voir. Ça, moi je vous les ai pas encore montrés parce que ça sera dans une autre vidéo, pas pour l'instant, j'ai pas encore décidé quand est-ce que je la ferai. Voilà, et puis à l'intérieur, très simple, hein, vous suivez le cheminement de ma vidéo et puis vous y arriverez tranquille, finger in the nose comme on dit. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, faites des vues et partagez-la cette vidéo parce que ça peut aider du monde pour trouver le sanctuaire, pour le faire à l'intérieur, même si c'est assez simple, il y en a tant qui n'y arrivent pas. Des fois c'est les choses les plus simples auxquelles on n'y arrive pas. Voilà, et puis après, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est ça que j'avais à vous dire. Il y a une petite pastille bleue un peu plus haut, c'est mon logo, vous avez juste à cliquer dessus et puis vous êtes abonné. Comme ça, vous ne loupez rien de Zelda et de tout ce que je peux publier. Voilà. Et puis sur ce... Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!